Bienvenue dans cette minute utile du musicien, les amis. Noël bientôt, hein, petit cadeau. Parfois, les gens comprennent pas exactement à quoi ça sert d'avoir plusieurs positions d'une même gamme. Moi, je crois que d'abord, il faut savoir servir d'une position. Tant que tu sais pas bien te servir d'une position de pinta, ce qui va se passer, c'est que tu joueras pas mieux sur les autres avec les autres. Donc, du coup, il faut avoir bien compris certains phrasés dans cette première position pour se dire, bah tiens, j'ai besoin d'aller plus aigu ou plus grave. Ok, donc une position, ça sert à jouer. Ça sert à aller jouer plus aigu ou plus grave si on a besoin. Plus grave ou plus aigu, mais pas uniquement. Ce qui se passe, c'est que ça va changer votre phrasé. Parce que, par exemple, prenons un truc tout simple. Quand je suis ici, je peux faire des legatos entre la septième et la tonique, et entre la tierce mineure et la quarte. Si je suis sur cette position, je ne vais pas pouvoir faire de legato entre la septième et la tonique, parce qu'elles ne sont pas sur les mêmes cordes, Je vais pouvoir les faire, par contre, ailleurs. Donc, du coup, ça change le phrasé. Ça, c'est vachement important à comprendre, c'est que le choix d'une position, ça se fait en fonction de « elle permet quoi comme phrasé ?»« Où je peux placer mes legato ?» D'accord ? Il y a certains trucs qui tombent bien sous les doigts ici, qui tomberont moins bien ici. Par exemple, si tu fais... Ok, apprenons ce plan. Ok, c'est un pentam avec une sixte. D'accord, une pentam mineure avec une sixte. Et puis aussi une quinte diminuée, une blue note. On est en la, d'accord ? D'accord ? Si tu veux le faire ici... Ici, ça se fait pas pareil, ça se fait. Et on n'a pas les mêmes legato. Ça ne sonne pas pareil. Je le joue pas vite pour te montrer. T'entends, les legato, ils sont un peu en négatif, à l'inverse. Voilà. Si je peux faire des legato ici et ici sur une certaine position, mais sur la position voisine, en dessus ou en dessous, je pourrais faire les legato ici. Ok ? Ce qui fait que à deux positions d'écart, tu retrouves un peu les mêmes phrasés. Par exemple. Ok, donc c'est pas tout à fait le même phrasé puisque la position a une forme différente, mais en tout cas les legato, je peux les placer au même endroit. Par contre, là, non. C'est pas du tout pareil. Ok ? Donc, je pense que ça peut être intéressant pour commencer à avoir besoin de certains types de phrasés parce que certaines notes sont plutôt sous l'index ou plutôt sous l'autre doigt, d'accord ? En haut ou en bas dans ta position. Ici, tu as des notes ici, puis tu as des notes ici, en gros. Bah, en fait, selon lesquelles sont là et lesquelles sont là, tu n'auras pas les mêmes potentiels. Voilà. Et du coup, ça pourrait être pas mal de bosser la première et la cinquième position, la première position pinta mineure. Souvent, vous apprenez la deuxième. Après, moi, je vous conseille plutôt d'apprendre la cinquième. Ok, parce qu'elle est plus intéressante en termes de phrasé. Ici, tu as la tonique, puis ici, tu as la tierce mineure. Ça, c'est intéressant, d'accord ? Celle-là, elle peut être bien. Mais ne la faites pas comme ça, d'accord ? Bon, en tout cas, moi, je vous conseille de bosser d'abord la 1 et ensuite de bosser la 5. Mais... Ayez confiance. Donc voilà, on se bosse ça, ce petit phrasé. Je vous fais un petit PDF avec... comment je le joue et pour bien voir ce dont je parle, l'endroit des legato possible, l'endroit potentiel des legato. Ok ?
Ça, c'est vraiment important, le phrasé. Parce que la différence entre une pinta qui sonne bien et une pinta qui sonne pas bien, c'est pas une histoire de vitesse, c'est une histoire de phrasé. C'est comment tu la tournes et comment tu prends des appuis, notamment sur les notes des accords. Ok, quand tu joues. C'est comment est-ce que je tombe sur les notes de l'accord ou comment est-ce que je mets en valeur des notes de couleur par rapport à l'accord. Mais en tout cas, il faut jouer de façon consciente, d'accord ? Donc ça, faut bosser l'impro. Je vous conseille ça, d'aller bosser l'impro. Allez, formez-vous. Allez, bye bye, ciao.